Rebonjour, ici Amidouze The Gamer du 76. On continue la bêta de Monster Hunter World Iceborne qui se termine bien sûr lundi matin. Malheureusement, bah, comme vous voyez, hein, j'ai pu trouver personne. Alors pour le Brand Barreau, il n'y a pas eu de problème. Le T-Rex, par contre, j'ai pas réussi à trouver. J'étais dans un truc, mais bon, on m'a éjecté. Donc c'est pas la peine de se faire chier avec ça. Si les gens, voilà, on a fait déjà combat, vous avez vu à quel point elle était difficile, même en solo. Maintenant, j'avais perdu trop de temps en le recherchant et tout ça. Et là, on va passer au plus difficile, le Valkana, qui est un dragon ancien. Je l'ai déjà fait, je l'ai pas battu. Par contre, on était avec du monde et j'ai l'impression qu'en fait, il est un peu copié sur. Alors que je te dis, que je dise pas de conneries, il est un petit peu une copie du Kushala d'Ahura. En fonction quand il se lève, quand il, quand en fait, quand il vole en haut. Et il a des attaques un petit peu du Xenogiva. Ah, j'ai encore été. Ah, j'ai encore quitté la quête. J'ai encore été éjecté. Voilà. Ça continue. Voilà. Allez, voilà. Vraiment des abrutis pour éjecter les gens. C'est pour ça, c'est un petit peu dommage dans Monster Hunter World parce que si vous passez pas par des groupes de chat et tout ça, pour demander à des gens quand même de vous aider, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent, ouais, tu peux m'aider pour avancer dans le mode histoire. Oui, pourquoi? Parce que quand vous essayez de rejoindre une partie, parce qu'une fois que vous avez commencé à rencontrer tel monstre et tout ça, que la vidéo elle s'est lancée, vous pouvez lancer une fusée de détresse à la limite, voilà. Et vous, bah, quand vous quittez, vous dites qu'il n'y a personne qui rejoint. Vous allez rejoindre la quête de quelqu'un qui est en train de la faire. Non, pouf, il vous dégage. Parce que par rapport au niveau, c'est n'importe quoi. À la base, faut s'entraider quand même. Si tu veux que le mec, il arrive au même niveau que toi, aide-le déjà à passer déjà tel combat. Après, je vais être d'accord que pendant les contrats, on n'en a pas beaucoup. Puis si, voilà, tu sais que la personne fait souvent de la merde, bah tu le dégages et puis basta, quoi. Mais là, c'est quand même exagéré, quoi. Notre cible est le légendaire dragon ancien, le Velkana. Nous savons juste que le Velkana peut contrôler le froid. Là, par contre, on va prendre par contre la cape Tout d'abord, anti-glace. trouve les écofacts du Velkana, puis suis les Navicioles. On va prendre la cape anti-glace Ensuite, parce le plus que. dur commence. Parce que là, franchement, il est costaud. Vous allez voir. Ça, c'est quoi? Diminue légèrement la pack. Voilà. Le Le coffre, il y a coffre quoi? te permet d'organiser ton inventaire. Notre équipe attaque déjà la cible. En avant! On peut utiliser les navicioles pour les localiser. Capsule aveuglante, on va prendre ça. Capsule sonore, non, ça n'a pas besoin. Ça, on va prendre. Et ça, on va prendre parce que pour les coéquipiers. Allez, let's go, puisqu'ils commencent déjà à l'affronter. Alors le froid, non, on n'a pas besoin. Tac tac, ça on va manger. Alors si on peut le faire du premier coup, tant mieux. Si on peut pas le faire du premier coup, tant pis les gars. Hein. On va essayer de continuer jusqu'à temps qu'on arrive à le battre. Mais ça va pas être une mince affaire, hein, je vous le dis. Hein. Il est d'une violence juste inouïe, quoi. Alors, cap anti-glace. Voilà, le Velkana, le dragon ancien. Oh, il se relève tout de suite! Vous avez vu ça? Thank you.
Et la musique se lance. Faut faire surtout attention à sa queue. Ça a fait comme une espèce de lance qui nous transperce, quoi. Merde. Ça. Ça va déjà. Ah, il va du côté là où il y a le coucher à la Daora. Non, même pas. Il va dans la grotte. Donc nous, on va en profiter. On va quand même se soigner. Ah zut, c'est vrai, il fait tomber des stalactites. Donc comme vous voyez, c'est très difficile de le toucher. Hein. Allez, il y a déjà 5 minutes de partie. Allez, on va essayer de faire deux attaques. Deuxième heure. Ah zut. T'as esquivé, esquivé mon attaque. Allez vite, 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 vite. Ah l'arme elle est trop lente. Trop lente l'arme. Vous avez vu son... Vous avez vu sa queue? Ça fait comme une espèce de lampe. Hop, esquiver. Vous avez vu ça? Bah, il reste plus de vie. Bah, c'est mort. Ah, en plus c'est le mec qui l'a quitté carrément la quête quoi. Hop. Ah zut. J'ai pas eu le temps de...
pas utiliser mon attaque. Et parti par là. Pardon, excusez-moi. Alors, on va mettre un marquage parce que sinon on va pas y arriver. Il est là. Il est près du cœur 8. Donc je crois qu'il a été du côté du Dodogaron. Non, du Dodogama. Ou Dodogama, je sais plus quoi. Oh la vache! Ah zut! Ah, il veut pas me laisser charger mon arme. Pareil. Et voilà, je suis mort. Nous ne faisons pas le poids pour le moment. Nous aurons notre revanche dans le jeu complet. Bon, bah, je suis finalement mort. Hein. Voilà. Voilà, par contre, vous avez vu, hein, il y a moins de temps et il y a moins de vie. Hein. C'est un petit peu stupide, mais bon. Voilà. Bah allez, on va réessayer. Hein. Et on a tenu 9 minutes 40. En sachant qu'il y a un gars qui est mort, je crois, deux fois. Et qui a foutu le camp de la quête, quoi. Donc au lieu de rester, continuer, les gens, ils préfèrent se tirer. Allez, deuxième essai. Hein. On va voir ce que ça donne. Allez, on retente notre chance. On va rester quand même en protection au niveau et là quand vous êtes à 4 bah, vous pouvez pas utiliser votre palico en fait, le palico n'est pas disponible, donc vous devez vraiment vous débrouiller tout seul, encore à la limite à 2 ça le fait encore. Nous savons juste que le Velkana peut contrôler le froid, il faudra faire preuve d'une grande prudence. Par contre, je pense que la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est utiliser ma potion secrète. Changer d'arme et d'armure ici. Tâche de toujours avoir de quoi affronter ce qui t'attend. Ça, on va prendre. Ça, on va prendre. Poisson chaud, on en a déjà. Mon endurance, c'est la garde à ce niveau maximum pour de plus longue durée. On va prendre un bâtard, ça, je l'avais déjà. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Et les tonneaux, méga bombe baril, grande bombe baril. Là, ça c'est quoi, antidote? Écoutez, let's go. On va prendre la boisson chaude. Voilà, le steak à point. Il y a plein de choses que j'ai pas utilisées tout à l'heure, quoi. Donc je suis responsable de notre échec. Je souhaiterais être fouetté sur place. Allez, on va aller là-bas.
Allez, on va utiliser. On va les balancer les couteaux paralysants. Ouah, wow, comment. Comment c'est qu'il a pris 1098. J'arrive à le frapper quand même pour charger mon attaque. Un Peter. Câble. Oh la vache. Oh j'ai pris direct. Ah ça fait un peu comme le Valazac. C'est ça que je cherchais. Reste sur place. Impeccable, il a pris cher. Allez dans la grotte. Je vais raffuter mon arme. Ah ça là on s'en sort bien là. Oh là là, et à chaque fois je la prends toujours hein, ces deux. Ce coup de queue là. Ah, raté. Fais chier. Ah, je l'esquive celui-là. Ah, n'importe quoi.
Il est d'une résistance mais hallucinante. Vous avez vu ça? Oh, j'ai esquivé. Ah, y'en a un qui va mourir. Wouah, c'est quoi ce bug? Vous avez vu le délire? Il s'est carrément téléporté. Oh le machin, il s'est carrément téléporté. Oh, c'est là, franchement, fallait le voir. C'est un petit peu dommage. Bon, je vais rafuter mon arme. On va prendre une boisson chaude. Ouais, une boisson chaude. Alors, il est parti où? Il est parti là. Ah là, franchement, là, on est bien. Il devrait pas tarder, il a déjà eu Bobo. Moi, la dernière fois que j'avais fait avec des gars, il a pas eu une seule fois Bobo. Alors, je sais pas qu'est-ce que je fais avec la viande crue, moi, je suis complètement con. Regardez, vous avez vu le mur de glace qu'il me fait? Merde, au mauvais moment. Ah, il est figé. Allez, plus que 5 minutes. Ah l'enfoiré. Attention. Ah il se déplace trop vite. On dirait un Kushela d'Aura mais glacial quoi. Ah c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Ah merde, je me suis trompé.
Ah, c'est bon, merci les gars. Tu vas pas tarder à mourir. Oui. Allez, on le termine, les gars. Il se barre, enfoiré. Il reste combien de temps? Oh non, c'est pas possible! Oh, fichier! Oh non! On y était presque! Oh, j'y crois pas! Oh non! Oh non, c'est abusé! Je vous l'ai dit, il n'y a pas assez de temps! Il n'y a pas assez de temps sur la bêta! C'est vraiment abusé là. Là il était fatigué, il était au bord de la mort et puis voilà, échec. Là c'est vraiment un truc à la con, voilà. Et voilà, voilà, voilà. Tant pis. Bon, bon, on va pas se faire chier à le refaire. Moi je vais essayer de voir si je peux réussir une autre fois avant lundi et tout ça pour le terminer. Mais voilà, comme vous voyez, le gros inconvénient de cette bêta, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour affronter les monstres. C'est complètement débile de mettre le Valkana à 15 minutes. Bon, le nombre de vies, je veux bien être d'accord, mais mettre 15 minutes pour ça et 20 minutes pour un Jagras, faut quand même pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Donc là, la bêta, elle est complètement... c'est vraiment n'importe quoi. En plus, comme je vous dis, quand vous perdez du temps déjà pour boire vos potions, aller, comment ça s'appelle, courir après le monstre et tout ça... Parce que voilà, quand vous pensez pas forcément à flashouiller et tout ça. Là, vous voyez, là, il lui restait que quelques petits coups. Quelques malheureux petits coups et il était mort. Là, ça fout la rage quand même de rater juste au dernier moment, quoi. C'est un petit peu stupide. Mais bon, voilà, vous avez vu la vidéo, la première vidéo avec le banc de barreau. Voilà. Vous avez vu la vidéo avec le Tigrex, et là c'est la vidéo avec le Valkana, donc un futur dragon ancien. Donc je pense que ça doit être un boss de transition, hein, le Valkana. Ça doit être sûrement un boss de transition parce que j'ai vu dans un trailer où il affrontait et tout ça. Ça fait un petit peu peut-être comme le Zora McDowell. Voilà, c'est tout. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt sur Monster Hunter World, que ça soit le World normal
et le Iceborne. Et vous inquiétez pas, dès le 6, je suis là, je suis au taquet. Les vidéos vont tomber et on va découvrir ensemble un petit peu ce qu'il en retourne de ce DLC, si il vaut vraiment ses 40 € et si vraiment il est aussi conséquent que le jeu de base. Je vous laisse, je vous dis bon week-end, amusez-vous bien, bonne soirée, ciao ciao.